l'île Saint-Louis comprend deux quartiers, le nord, ou Lodo, et le sud, ou Sindoné, quartier le plus ancien de l'île, où fut construite la première cathédrale en pierre de l'Afrique francophone. C'était le quartier des Signards. À côté de ces Signards, il y avait les premiers Noirs convertis qu'on appelait les Gourmettes. Dans ce quartier, bien sûr, la bourgeoisie métisse était confortablement installée dans des maisons cossues avec une forte domesticité et beaucoup d'esclaves. Et c'était bien sûr un quartier où les Signards avaient bien bâti leur maison, avaient leur balcon, et c'est ce quartier qui était à l'origine du fanal. Avant d'arriver à la pointe sud de l'île, le lycée Ahmed Fall, dont les bâtiments, construits en 1840, sur l'emplacement du premier cimetière chrétien, abritèrent successivement l'hôpital civil, puis le collège Blanchot, avant de devenir le lycée des jeunes filles. Accolé au lycée, se trouve le centre de recherche et de documentation du Sénégal, ex-institut français d'Afrique noire. Ce bâtiment, construit en 1954, abrite une importante bibliothèque ainsi qu'un trésor inestimable d'archives d'Afrique occidentale française. Autant le quartier sud a été un quartier plutôt d'habitation, autant la pointe nord a été un quartier militaire. Et aujourd'hui, on a cet aspect austère avec les maisons basses réservées aux officiers et aux sous-officiers. Dans cette partie de l'île, des entrepôts alignés en enfilade témoignent de la prospérité d'antan, avec les maisons de commerce bordelaises et marseillaises qui occupaient généralement tout un îlot. Au bout des quais nord, après l'école française, une grande silhouette en fer se détache. C'est la grue à vapeur de 20 tonnes. Témoignage vivant de l'intensité du commerce fluvial de l'époque, cet ouvrage à vapeur est certainement l'un des rares existants au monde. En revenant vers le centre, à la limite des allées Bermoz, la grande mosquée fut édifiée par l'administration coloniale à l'intention de la communauté musulmane grandissante. Le clocher, logé dans son minaret gauche, a longtemps été une énigme pour beaucoup de Saint-Louisiens. La mosquée a été conçue selon le style pratiquement de la cathédrale et elle devait avoir une cloche. Le musée ne devait pas faire l'appel comme ça se fait communément. Les musulmans devaient venir tirer la cloche comme pour faire l'appel extra pour ne pas que le litanie gêne le sommeil des habitants. Autre édifice historique, toujours dans le nord, sur la rue Brière de Lille, le palais de justice, construit en 1841, dont l'escalier monumental et le portail en fer forgé sont simplement impressionnants.